Là, on est un petit peu plus haut que donc le chalet du Mont-en-Vert. On voit se dégager un petit peu plus le panorama. Donc, ce qui est en face de nous, c'est le massif des Aiguilles Rouges. Pourquoi Aiguilles Rouges? Parce que si vous regardez, il y a des endroits où on voit vraiment des traînées de rouge. Et en fait, il y a du fer qui est dans les roches. Et c'est ce qui fait que ça ressort rouge par endroits. Et on est parti le premier jour, les 10 étaient partis. Elle a eu le dernier. Donc ils vont sortir encore un homme modèle. Oh, ils ont dû sortir encore. Ils sont des promotions. Alors juste là, on surplombe bien le glacier, hein, en fait, on voit bien. Et si vous regardez donc les endroits où le glacier il tourne, ça fait ce qu'on appelle des crevasses, ça fait des trous. En fait, c'est le mouvement du glacier qui va faire que, comme le glacier tourne, la glace elle va pas réussir à rester scindée en elle-même, donc ça, elle va se casser, elle va se craqueler. Et c'est ce qui fait qu'il y a les crevasses. Là, on est au-dessus, on les aperçoit très bien, c'est ces espèces de stries en fait, hein, qu'on va voir. Donc quand on est alpiniste et qu'on passe là-dessus, ben, sur un glacier, le plus gros danger, c'est les crevasses. Parce qu'on va pas les voir, on les voit pas forcément. Des fois, il y a de la neige qui recouvre les crevasses et on les voit pas. Donc déjà, on comprend tous qu'on est sur de la glace, donc on peut pas y être en chaussures de montagne comme nous on est aujourd'hui. Il faut y aller en crampons. Et bien souvent, on s'encorde aussi. C'est-à-dire qu'on a un baudrier, on est attachés les uns les autres pour marcher sur glacier. Et là, on voit bien, en fait, on le voit aussi plus haut avec le virage qui repart dans l'autre sens. À chaque fois qu'il y a un gros mouvement de terrain, on va dire, on voit se former des crevasses. Donc là, on le voit bien, hein, au niveau mouvement du glacier. Et puis, petit à petit, on s'élève. Donc comme l'autre jour, on a de moins en moins d'arbres. Hein. Moins en moins Alors des sapins, il n'y en a pas. C'est beaucoup plus bas, les sapins. On va avoir épicéa et mélèze. Le mélèze, c'est l'arbre qui est là-bas, que vous voyez. Alors c'est aussi un résineux, comme le sapin. Et l'épicéa, la particularité du mélèze, c'est qu'il perd ses épines à l'automne et en hiver. Alors que le sapin et l'épicéa, l'hiver, ils perdent pas leurs épines, ils gardent leurs épines. Le mélèze, il perd ses épines en hiver. On est arrivé au sommet. Non, on n'a pas, on a encore 300 mètres. Tu vas dans le sens. Non, c'est dans le sens. Oh, ok. Voilà. C'est prêt.
une note. J'aime pas les retourner. On est grands-parents depuis ce matin. À quelle heure? Bravo! À quelle heure? Une petite Louise. Et de où alors? Louise. De où? Félicitations! À 3. À 3. À 3. Faut aller à Caen? On passera par ça. Normalement, ça se fait à 2. Tu te laisses un pot de café? Bah, s'il reste un peu. Toi, tu l'as appelé Louise? Louise. Là, si vous avez remarqué, il y a plein de taches jaunes sur les rochers. Ouais, du lichen. Oui. Voilà, c'est du lichen déjà. Alors le nom scientifique de cette bestiole, on appelle ça du Rhizocarpon geographicum. Donc c'est un lichen qui s'installe sur les pierres, et en fait c'est un lichen qui pousse très 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 lentement, et du coup là comme il est beaucoup comme on voit qu'il est très présent sur les pierres, ça donne un indice en fait des mouvements de terrain. C'est à dire qu'un endroit où les pierres, où il n'y a pas trop de mouvements de terrain, il n'y a pas trop de pierres qui tombent, il n'y a pas trop de passages, le lichen il va pouvoir se développer. Sur un terrain qui est sans arrêt en mouvement, où il y a sans arrêt des éboulis, où il y a sans arrêt de la pluie qui va venir un petit peu raviner le terrain, il ne pourra pas se développer parce qu'il y a trop de mouvement. Donc là, il y en a relativement partout. Si vous regardez sur le chemin où on marche, il y en a un petit peu, mais il y en a déjà beaucoup moins. Il peut déjà moins se développer là où on marche parce qu'il y a trop de, passages, il y a trop de choses qui l'empêchent. Alors que là, il se développe facilement. De Chamonix, hein. Donc on a le Mont Blanc à droite et là c'est les aiguilles de Chamonix. Alors ça comprend l'aiguille du Grépon, l'aiguille Charmose et l'aiguille de Blétière et l'aiguille du Plan en plus. Donc c'est toutes celles qui sont là au-dessus de nous. Hein. Donc ça c'est une course, d'alpinisme aussi, c'est une course d'arêtes, c'est-à-dire qu'on fait toutes les arêtes les unes après les autres. Ah, puis après on redescend sur la mer de glace là où on était ce matin. Allez, super. Voilà, moi que une marmotte était dedans. Et j'ai besoin dedans là. Et remarque, une marmotte est encore dedans. Ouais, si j'ai l'eau de mer, il y a des lieux, il y a des poissons qui sont dedans. Des poissons.